Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors, je vais vous proposer la réalisation de deux tags ici. Je vais travailler tout d'abord avec ce petit marin et puis je vais vous en proposer un autre juste après. Je travaille sur un papier aquarelle. Je me suis découpé mon tag. Là, mon tag, il fait à peu près 9 cm de large par 15 cm de haut. Et puis, je vais travailler avec plusieurs techniques aquarellables dessus, vous allez voir. Donc là, je commence par la mise en couleur du petit marin. Alors le marin, il vient d'une planche de tampon exclusive atelier de Karine qui s'appelle Mon Capitaine, que vous avez toujours en stock sur le site des ateliers de Karine. Je l'aime beaucoup, j'ai un coup de cœur pour ce loup de mer. Et puis, le tag que je vais réaliser là, il est très inspiré d'une carte que vous a proposée Petit Ange sur le mois de juillet, il me semble, ou fin juin, où elle a utilisé aussi, elle a associé le marin avec un cadre avec des rondins de bois qui se trouvent sur une planche de la collection Sable d'Or. Et j'avais gardé le visuel en tête, et puis quand j'ai fait mon tag, j'étais très influencée. Donc voilà, vous allez retrouver un petit peu l'esprit, ce sera différent, mais... On a le même esprit. Alors, mon cadrage est un peu loin, je suis désolée, j'ai pas zoomé cette partie. Je vais travailler avec mes aquarelles. Donc là, ce sont les aquarelles Daniel Smith que j'utilise ici. Et pour faire la couleur peau, j'utilise le rose quinacridone avec un petit peu d'ocre jaune. Et alors, pour faire les couleurs peau, alors c'est pas toujours évident. En fait, de créer la couleur peau, alors c'est pas tant le choix des couleurs, puisque pour une couleur peau, il vous faut un rose et un jaune, c'est plus le niveau, la quantité de jaune et la quantité de rose, et ensuite c'est le niveau de dilution. Et souvent, ce qui nous pose problème, c'est l'intensité de la couleur qui est trop importante et qui nous donne une couleur de peau pas du tout naturelle, mais ça, c'est un problème qui est lié au niveau de dilution. Donc, faut pas hésiter à faire un petit test sur un petit papier brouillon à côté, une petite chute de papier aquarelle brouillon, et de regarder en fait en fonction du niveau de dilution à quel moment vous avez une couleur peau qui vous plaît. Sachant que l'aquarelle s'éclaircit un petit peu aussi quand elle sèche, un petit peu beaucoup, ça dépend des couleurs qu'on utilise. Donc là encore, faites des tests un petit peu avant pour mieux vous rendre compte. Autrement, c'est pas très très compliqué, mais il faut juste avoir le bon dosage à la fois de rose et de jaune, et puis ensuite au niveau de l'eau. Donc j'ai travaillé les bras comme ça. J'ai pas forcément cherché à créer des ombres particulièrement. J'aurais pu rajouter un petit peu de sépia pour marquer les ombres à certains endroits, mais bon, j'ai fait simple. Ensuite, la barbe et les cheveux, c'est un mélange de sépia avec un peu de grit paint. Donc, je voulais un marron plutôt foncé. Donc, c'est pour ça que j'ai pas utilisé le sépia en fait tout seul. Je l'ai associé au grit paint pour le rendre un petit peu plus noir que marron chaud. Donc voilà pour les cheveux et la barbe. Et puis là, je suis en train de m'attaquer aux rayures de sa marinière, et là j'ai utilisé le bleu d'un d'entraîne de Daniel Smith toujours. Voilà, et puis pour les tatouages, l'encre, j'ai pris du grit paint, et puis pour le cœur, j'ai utilisé le rouge Helios. Voilà, bon, là je m'attaque au détourage. Bon, rien de particulier, c'est un motif qui se détoure plutôt facilement, donc aucun problème pour cette partie là je sais plus, est-ce que je vais faire le tour? Oui, c'est ce que je suis en train de faire. On me demande souvent, mais pourquoi est-ce que tu ressens le besoin de marquer la tranche du papier avec un crayon noir? Et bien, souvent, quand je fais de l'art journal, ce qui n'est pas toujours le cas quand je fais des pages de scrap, mais quand je fais de l'art journal, j'ai le besoin d'avoir des éléments qui fassent partie intégrante, en fait, de ma page, comme si je les avais dessinés, en fait, et que c'était pas en épaisseur, mais que c'était vraiment sur mon fond de page. Donc pour éviter d'avoir le côté découpage qui ressorte, je mets un petit trait de crayon noir pour que ça vienne finir en fait ma découpe et que ça s'intègre un petit peu mieux dans mon fond. Je ressens pas forcément le besoin de le faire quand je fais des pages de scrap, parce que du coup quand j'apporte le petit trait de crayon noir tout autour, ça durcit un petit peu mon motif. Et quand je fais des pages, j'ai pas forcément besoin de ça, j'ai besoin d'avoir des éléments au contraire qui viennent se poser dessus.
Et là, le côté détourage ne me gêne pas. Donc, même quelquefois, je vais laisser, quand je détoure, un petit liseré blanc tout autour de mon motif pour avoir vraiment comme un die cut et un élément, en fait, un embellissement que j'aurais vraiment travaillé et puis ajouté comme ça. Donc, voilà. Après, encore une fois, pour tout, dans le scrap, dans l'art journal, peu importe, on fait comme on veut, comme on le ressent. Quelquefois, on... Voilà, on aime certains effets, pas d'autres, suivant ce qu'on fait. Donc voilà, moi c'est pour ça. Donc je le fais presque systématiquement sur, sur mes pages d'art journal, ou là, sur les cartes comme ça, ou les tags, mais très très peu sur, sur mes pages de scrap. Et après, ça dépend du combo couleur que j'utilise aussi. Si c'est un combo couleur dans mon art journal qui est plutôt doux et assez clair, je vais peut-être pas forcément ressentir le besoin de mettre un trait de crayon comme ça sur la tranche. Voilà, après, voilà, ça dépend aussi. Alors, continuons. Ensuite, j'ai travaillé avec la grande planche de tampon qui s'appelle Le Temps des Vacances de la collection Sable d'Or. Sur cette planche, vous avez en fait deux formats de cadres avec des rondins de bois. Il y en a un avec une forme un petit peu rectangulaire, assez allongée, et puis un autre qui est un peu rectangulaire aussi, mais qui se rapproche un peu du carré quand même. Et puis, il y a surtout un ornement avec un ensemble de petites fleurs et de feuillages. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour mettre mon petit marin. Et puis, je l'ai mise en couleur avec les mêmes aquarelles d'Daniel Smith ici. J'ai l'or jaune, qui est un jaune très, très lumineux. Qui est un vert très lumineux, j'ai dit de dire jaune, un vert très lumineux avec une dominante de jaune. Et j'ai assombri pour faire un peu quelques effets avec un petit peu de bleu et de grit paint. Alors je ne sais plus si c'est, je crois que c'est le bleu de phtalo que j'ai utilisé en nuance de vert. Donc voilà, et puis qu'ai-je fait d'autre? Et pour donc le cadre en bois avec les rondins, j'ai utilisé juste la couleur sépia de Daniel Smith. Est-ce que je l'ai assombri un petit peu avec du grit paint, peut-être un petit peu. Donc voilà, le détourage à l'intérieur, c'est avec un cutter de précision. Et puis l'extérieur avec mes ciseaux. Donc voilà, c'est pas très compliqué là, ça va. C'est assez facile aussi. Alors pour le tag, je continue avec mes aquarelles Daniel Smith. Donc j'ai d'abord passé, j'ai pchité de l'eau au verso de mon tag et sur le recto. Alors pourquoi je fais recto verso? Pour que mon papier en fait reste bien plat quand je commence à poser l'aquarelle, que ça s'incurve pas trop vite, et pour me permettre d'avoir une aquarelle qui rentre bien dans les fibres de mon papier là où je veux et qui ne s'en va pas vers les extérieurs. Quand le papier se met à gondoler et s'incurver, c'est souvent le problème. L'aquarelle n'a pas le temps en fait de prendre vraiment dans le papier. Elle est tout de suite évacuée sur les côtés, donc ça permet d'avoir un papier à peu près plat quand on veut pas mettre du masking tape tout autour. Ça nous laisse un peu plus de temps. Et alors pourquoi je veux humidifier aussi à cet endroit là j'aurais pu commencer par faire ma tâche en appliquant la couleur directement. C'est parce que je veux quelque chose de très fondu et très très flou, et quand le papier est déjà imbibé d'eau, ça favorise en fait le côté, l'effet flou. Donc voilà, j'ai bien travaillé sur une surface humide pour faire mes tâches. Et en termes de couleurs, Daniel Smith, j'ai utilisé deux couleurs granuleuses, mais on s'en rend pas forcément compte ici parce que les couleurs sont assez claires. J'ai utilisé le fuchsiste véritable et une autre couleur qui est un gris, la kinite, mais je suis pas sûre du nom. Véritable aussi, c'est un petit gris. Et en fait, ces deux couleurs-là, elles sont issues de pierres semi-précieuses et elles ont en fait des petites paillettes à l'intérieur, un petit peu comme de la nacre, très 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 légère, très très fine, qui viennent vraiment de la pierre qui est utilisée pour extraire les pigments. Et du coup, ça me donne un petit effet nacré, mais c'est tout en subtilité, vraiment très très léger. Et comme là, j'ai beaucoup beaucoup dilué, du coup, l'effet est encore plus atténué, mais j'aime bien ces aquarelles pour ce côté-là. J'ai complété donc ma mise en page avec un ensemble de tamponnages de timbres qui me vient de la planche que je n'ai pas. C'est complètement timbré, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Donc voilà, j'ai choisi plusieurs motifs de timbres ou d'étiquettes que je suis venue travailler comme ça en haut à droite et en bas à gauche. Et puis pour compléter le cadre avec mon petit marin, j'ai récupéré sur la planche de tampon de Sable d'Or qui s'appelle Le Temps des Vacances. Il y a un petit écriteau off pour une durée indéterminée que j'ai choisi de placer juste sous le cadre en bois, comme si voilà, c'était accroché. Voilà, laisser penser que ce petit marin, il part en mer voilà, pour les vacances, pour la détente. Et il ne sait pas quand il revient. Voilà.
J'ai complété ensuite avec des gouttes, est-ce que je l'ai fait là? Non, pas tout de suite. J'ai ajouté des petits fils de coton. En fait, j'ai pris plusieurs fils, hein, je les ai doublés, quadruplés même, et pour avoir un petit peu plus d'épaisseur, et voilà, pour finir le tag et apporter un petit peu de matière. Et ensuite, je les ai fixés sur le tag avec des agrafes en faisant des petites boucles comme ça. Pour les maintenir, j'ai fait un trait de crayon noir tout autour du tag pour un peu finir aussi, resserrer encore le regard à l'intérieur et apporter une meilleure finition. Et puis là, j'avais pas jeté. Et puis en plus, je peux me servir de l'intérieur pour me faire des petits coups de tampon aussi. J'avais évidé donc le cadre, je l'ai replacé dessus pour pouvoir faire mes gouttes. Donc là, j'ai juste fait des gouttes de Posca noir pour apporter un tout petit peu de contraste. Donc voilà, qu'ai-je fait d'autre? Je crois que c'est tout pour celle-ci. Donc voilà, là ça m'a pris quand même un petit peu de temps pour vous donner une petite idée. Celle-ci, j'ai dû mettre au moins 1h30, 2h, hein, donc c'est pas un grand format. Mais j'ai pris du temps à mettre en couleur le marin, le détourage, tout ça. Donc, et puis après, il y a une partie réflexion aussi. Là, ça paraît couler de source quand vous voyez la vidéo comme ça en accéléré. Mais j'ai des phases où je réfléchis pour savoir comment je vais positionner mes éléments. Je ne sais jamais vraiment à l'avance. En fait, j'ai une idée des tampons ou de l'atmosphère que je veux avoir sur ma réalisation. Mais je n'ai pas forcément l'idée précise de la mise en page. Donc, ça vient comme ça au fur et à mesure, quelquefois ça, on tâtonne un petit peu. Voilà, donc ça c'est pour le premier tag. Et puis pour le deuxième, on reste un petit peu, là on va au fond des mers cette fois. Je travaille avec des encres en spray de Lindisgang. Donc là encore, je pchite de l'eau au verso de mon tag et sur le recto pour le maintenir à peu près plat. Pour que une fois quand je pchite en fait l'eau dessus, ça s'incurve pas trop. Et alors, en termes de spray, j'ai utilisé donc le Tiffany Loup Blue, qui est un bleu turquoise très très clair. Et ensuite, je suis venue travailler par-dessus tout en légèreté avec des sprays aussi Lindisgang, mais qui sont un peu spéciaux. C'est la série des Moon Shadow Mist. J'ai un bleu qui s'appelle le Buccaneer Bay Blue, qui en fait apporte des reflets bleus, donc très légers. Donc c'est comme si on avait en fait une nacre bleue qui venait se déposer et donner des touches d'éclat par endroit. Et j'en ai une autre que j'ai utilisée mais un tout petit peu. Donc c'est la même série Moon Shadow Mist, mais c'est le Long John Silver. Ça apporte des reflets nacrés argentés. Donc voilà pour le fond. Ensuite, j'ai utilisé une pâte de texture Finaber qui s'appelle pépite d'or, mais qui n'a pas du tout de pépites dorées dedans. C'est plutôt des petits grains, en fait, des petites billes transparentes. Et ça donne un effet, moi j'aime bien, alors ça peut rappeler soit un effet glacier, donc de neige, ce genre de choses. Moi, ça me fait plutôt penser à des petites gouttelettes. Donc quand ça sèche, en fait, ça devient vraiment très transparent. La pâte, elle est plutôt claire au début. Ça devient très transparent. Et ensuite, on voit par endroits des petites paillettes argentées et des petites billes, en fait, transparentes. Donc, voilà, j'aime plutôt bien cette pâte. Je la trouve super sympa pour travailler comme ça avec les fonds marins. Ça apporte de la texture, mais sans alourdir l'ensemble. Et le pochoir que j'ai utilisé, c'est le petit pochoir écaille de poisson de la collection Sable d'Or. Donc, ça, c'est pour le fond. Je le laisse sécher tranquillement. J'utilise pas le heat gun parce que ça a tendance à transformer un petit peu l'effet de la pâte. Donc, je laisse ça sécher tranquillement. Ça sèche relativement vite. Et puis, je reviendrai après par-dessus. Là, je travaille avec la petite pieuvre. Donc, c'est une autre planche exclusive des ateliers de Karine que vous avez aussi encore en stock, qui s'appelle Beau Rivage. Sur cette planche, on a donc la pieuvre et on a aussi une super sirène. Que j'aime beaucoup travailler aussi. Il y a une petite baleine. Enfin, bon, il y a plein de choses. Une des pêcheries, une baleine. Donc là, la petite pieuvre, je l'ai mise en couleur avec un peu de grit paint. Très, très léger. Voilà, juste pour lui apporter un petit peu de couleur, mais sans trop foncer non plus, en essayant de travailler les ombres. Voilà. Après, j'ai fait les fleurs et les petites feuilles de la même couleur que pour le tag avec le marin. Et puis là, j'ai refait un fond coloré avec les mêmes couleurs de spray et j'ai tamponné mon motif. J'adore celui-ci, j'utilise partout. Alors pour moi, ça représente un corail, mais ça peut faire penser à des algues aussi.
Donc toujours de la planche, la grande planche, le temps des vacances. C'est ma planche préférée de la collection Sable d'Or. J'utilise très souvent. Donc j'ai fait mes tamponnages dessus, j'ai détouré en fait mes coraux. Et ensuite, je me fais un autre petit fond. Donc là, je travaille avec le combo couleur de la collection à contre-courant de l'année dernière. Vous allez le reconnaître. Donc je travaille un petit fond corail pour me faire des tamponnages dessus. Mais des tamponnages que je vais faire à la Versamark. Parce que je veux des coquillages en fait plutôt doux. Donc je ne veux pas le côté trop dur de l'encre noire. Donc je vais travailler. J'aurais pu utiliser une encre blanche, l'encre Lawn Fawn Yeti, qui est très très blanche et très opaque. Ça aurait pu être sympa aussi, mais je voulais un petit peu de texture différente. Donc j'ai plutôt utilisé l'embossage comme technique. Donc voilà, donc c'est toujours dans la planche de tampon le temps des vacances. Donc j'ai utilisé la petite coquille Saint-Jacques. Et puis il y a un coquillage allongé et puis un autre un petit peu plus dodu que j'ai utilisé ici. Donc voilà, donc ça c'est pour mes embellissements. Et puis maintenant je m'attaque au montage. Donc voilà, encore une fois, hein, ce sont des choses assez simples. C'est voilà, pour se faire plaisir, si vous voulez travailler un petit peu les colorisations pendant les vacances, travailler vos fonds aussi. C'est une très bonne méthode d'utiliser un formatac comme ça. Parce que ça permet en fait de travailler sur des supports un petit peu plus petits. Et puis si vous faites de l'art journal, vous pouvez très bien après sur un carnet d'art journal assez bon marché, coller en fait vos réalisations dedans. Moi c'est ce que je fais pour certaines pages, alors en format tag ou en format plus petit ou en format carte. Et j'ai un carnet comme ça où je viens les coller dedans. Si après on ne sait pas toujours quoi en faire des tags. Alors moi je m'en sers de marque-page aussi. Mais voilà, après on peut les offrir, les envoyer aussi bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que c'est des formats en fait qui sont de création qui sont assez sympas. On peut se faire plaisir facilement quelquefois quand on veut tester des techniques de fond aussi. Ça permet ou tester ses produits, tester ses couleurs d'encre. Ça peut être sympa. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, je me rajoute un titre. Donc là encore la grande planche de tampon le temps des vacances. Et là je prends le tampon balade iodé. Et en fait, je veux le dissocier. Donc, je le tamponne une première fois et je suis venue détourer le mot iodé, qui est assez facile. Et ensuite, j'ai mis du masking tape, en fait, sur le mot iodé pour ne pouvoir tamponner que le mot balade. Donc, ça, c'est une technique de masquage. Donc, avec le masking tape, je viens sur le tampon clear recouvrir de masking tape le mot iodé parce que c'est pas le mot que je veux voir imprimé. Et je mets mon encre dessus. Et ensuite, une fois que j'ai ancré mon tampon, j'enlève le masking tape, ce qui me permet d'avoir de l'encre sur le mot balade, mais pas sur le mot iodé. Donc, il faut que votre tampon soit relativement propre quand même avant de faire ça, pour que quand vous enleviez le masking tape, voilà, vous n'ayez pas des restes d'encre. Moi, je les nettoie très peu, mes tampons, parce que j'utilise beaucoup d'encre noire. Donc, je ne ressens pas forcément le besoin de les nettoyer à chaque fois. Alors, je passe un coup de chiffon rapide, mais voilà, je ne le fais pas forcément très, très soigneusement. Donc, quelquefois, j'ai des mauvaises surprises que je pense qu'il est propre et il ne l'est pas. Donc, pour vous assurer qu'il soit bien propre, voilà, passez un petit coup de lingette dessus avant. Épongez bien aussi si vous nettoyez à la lingette et que vous pensez que c'est sec, mais ça ne l'est pas forcément. Donc, il vaut mieux passer un petit coup d'eau après, un petit d'eau et bien éponger avec un chiffon. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas recréer de marque après, derrière au tamponnage. Voilà, donc le mot balade, l'ai détouré, enfin j'ai fait un petit cadre tout autour avec un crayon gel noir. Et puis le mot iodé, il est détouré comme ça. C'est assez facile, c'est une histoire de coup de main. Quand on fait beaucoup de détourage, c'est quelque chose voilà, qu'on a après qui devient un peu... on fait ça sans réfléchir, donc ça demande un petit peu de pratique. Mais bon, celle qui n'aime pas le détourage... Du coup, mieux vaut le tamponner comme ça et faire un cadre tout autour des deux mots. Ce sera plus simple. Mais franchement, à force d'entraînement, ça se fait plutôt bien. Donc voilà, j'ai collé tout ça. Je suis en train de faire pareil sur ce tag-là, un trait de crayon noir tout autour. Et puis, j'ai pris modèle sur le premier tag que j'avais fait pour faire mon trou. Et ensuite, voilà, donc pareil. Donc je les travaille à peu près de la même façon. Je rajoute des petits fils de coton. Et puis pareil, je viens en fait fixer une petite boucle directement sur mon tag avec une agrafe. Et puis j'ai laissé en fait, j'ai laissé les fils pendre comme ça et être un petit peu plus libre sur le reste.
Voilà, vous devriez voir de plus près. Voilà, la voici de plus près. Alors, j'espère que vous allez réussir à voir le côté mouillé, un peu glacé. Ouais, c'est pas facile à la caméra à chaque fois de vous montrer cet effet-là. Alors, peut-être sur les photos après. Donc, en fait, ça fait vraiment des petites billes. Hein. C'est donc la pâte en question, c'est une pâte de Finaber. Ce sont des pâtes à effet. Et elle s'appelle pépite d'or. Mais franchement, il n'y a pas d'or, hein, pas du tout. Hein. C'est un problème de traduction, parce que ça n'a rien à voir. Mais elle a des petites billes transparentes comme ça. Là, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a à la fois des billes et puis des petites paillettes argentées dedans. Voilà, je vais vous laisser avec les photos à suivre. Vous voyez les petits zooms. Donc là, celle-ci, un petit clin d'œil à Petit Ange parce qu'elle est très inspirée de sa carte. Donc, vous avez les photos du marin. Et puis, à suivre, vous aurez les photos avec la pieuvre. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.